Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Doom. Et oui, pour changer, j'ai voulu faire un bon vieux classique de la PlayStation, sorti en 1993. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Doom est un des, comme j'ai dit, un des premiers FPS qui a eu un énorme succès. Alors j'ai voulu vous le présenter pour les plus jeunes d'entre vous, parce que moi non plus j'ai jamais joué d'ailleurs, vu que quand il est sorti, ben j'avais 2 ans et je n'ai jamais eu de PlayStation à part la PlayStation 2. À sa sortie, donc Doom était déjà sorti depuis assez longtemps et j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Alors vu que je me suis procuré, j'ai fini par réussir à me procurer ce jeu car il est ressorti sur un CD avec Doom 1, 2 et 3 sur PlayStation 3. Alors j'en ai profité pour pouvoir me le procurer. Alors, le jeu, comment ça se déroule là, parce que j'ai déjà fait quand même un tout petit peu pour voir comment ça fonctionne. Alors, il faut récupérer quelques clés, 3 clés, bleu, rouge et jaune, pour pouvoir ouvrir certains passages et pouvoir avancer dans les différents niveaux. Alors, comme vous voyez, dans ce jeu-là, il n'y a pas de curseur de tir. Il suffit juste de mettre le flingue en plein pile devant le bon... L'ennemi est tiré dessus et il n'y a pas de souci de dimension, hein, pour le aller vers le haut, vers le bas, tout ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors comme vous voyez, non vous le voyez pas vu que vous ne voyez pas ma manette. Le jeu, les commandes du jeu en tout cas, vu que c'est la version PS3, a fort changé vu qu'à l'époque il n'y avait pas de. Sur les manettes de PlayStation, il n'y avait pas de. Ah bah j'ai fini pour mes niveaux. Ok, donc hop, niveau 2. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de pad analogique. Donc pour se déplacer, il fallait juste utiliser les commandes, les flèches directionnelles que vous connaissez, qui est toujours dans les manettes de PlayStation 3 ou PlayStation 2. Et là en fait, pour... Ouais, un trophée. Là vous allez prendre que c'est la version PS3. Bah, la version PS3, c'est exactement la même version, hein, à part que c'était sorti sur un CD de PS3, et permettant de découvrir ce classique aux plus jeunes. Donc, je disais, permet de déplacer avec les touches directionnelles. Et là, le jeu, les commandes ont été modifiées pour utiliser les pads analogiques comme dans les jeux plus récents. Ah, merci pour la petite armure. Par contre, j'ai toujours le même flingue. Ah non, sinon je me bats avec un point, donc autant garder. Foiré. Alors oui. Oh, bah c'est bon, j'ai pas de soucis de munitions. Par contre, j'aimerais bien avoir une arme un peu différente. Ah, fumier! Allez, crève! Ah oui! Alors, tu as un petit peu de soin, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien de faire comme un bon vieux classique avec des items un peu partout. Ouais, clé rouge. D'avoir des items un peu partout parce que maintenant, à part avancer tout droit, dégommer tout ce qui arrive, il n'y a pas vraiment de challenge vu qu'il. Là on a une barre de vie comme vous voyez en bas, bah, c'est pas vraiment une barre de vie mais il y a un nombre de santé, un chiffre de santé. Et maintenant il suffit de... Alors comme vous voyez il y a du rouge sur le côté, ça veut dire que c'est une porte rouge, il faut la clé rouge. Voilà, donc j'ai parce que maintenant, dans les jeux de maintenant, si on est sur le point de crever, on se met à couvert, on attend et c'est réglé. Là par contre même, on a beau se mettre à couvert, ça sert strictement à rien. Et si... Tu as crevé, oui. Ah, voilà. De la lave verte, ça va faire plaisir à Pépé, ça. Yep. Alors, comme vous voyez, je peux pas lever la tête. Hein. C'est juste droite, gauche et avancer. Bah, vous me direz, c'est juste... À l'époque, il n'y avait pas de pad, donc on pouvait pas lever. Hein, vu qu'il n'y avait pas ces deux boutons pour pouvoir déplacer le personnage. Mais ça, il n'y a aucun souci de commande. On s'en sort très bien sans. Yeah. Ah non, j'ai cru qu'il y a... Ah si, il y avait un secret. Tiens, crève. Tiens, crève, fumier. Je suis en train de crever. Allez, voilà. Oui, j'ai... Oh putain, il me reste presque plus de vie. Oh, une tronçonneuse. Comment on fait pour la prendre? Moi, je veux la tronçonneuse. Je veux la tronçonneuse. Non. Bon, tant pis, on va avancer. Hein, non, je viens de là. On va avancer quand même. Si je trouve un chemin pour prendre la tronçonneuse, tant mieux. Sinon, bah, on va faire ça. Attention.
C'est de la lave ou c'est des... Ah non, c'est du poison en fait, c'est pas de la lave, j'ai cru. La lave verte, vous me direz aussi. Oh oh. Salut tout le monde. Crève, crève. Vous ne mourrez pas vivant. Allez. Putain, ils ont une de ces barres de vie. Vous me direz, j'ai encore le petit flingue de base, hein, donc. Et comme vous voyez, on est quand même rarement à court de munitions. Hein. Bon, c'est que le début du jeu aussi, donc on verra au fur et à mesure. Hop, petit interrupteur. Une porte ouverte. Ah, il y a deux portes. On va commencer à gauche. Ça se trouve, ça mène au même endroit. Vas-y, vite. Voilà. Ah ah. Ouais, ça mène au même endroit en fait. On va descendre l'escalier. Ah ah, salut, le méchant. Allez, viens, toi. Allez. Voilà. Alors, boum. Ok, donc là vous voyez c'est que le début, alors on a besoin que d'une seule clé, hein, la clé rouge, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du jeu, on va découvrir des nouvelles clés qu'on a besoin de 3 à chaque fois. Alors pourquoi je le sais qu'il faut déjà 3? Tout simplement parce que j'ai joué en ligne. Et oui, parce que contrairement à la première la version originale, hein, celle de la PlayStation en 93, le jeu pouvait déjà se jouer en multijoueur. Mais pour le faire, il fallait quand même avoir pas mal de matos. Hein. Il fallait 2 télé, 2 PlayStation, 2 fois le jeu, et aussi... Ouais, fusil à pompe. Donc 2 PlayStation de jeu, et aussi un câble qui coûtait extrêmement cher pour pouvoir en profiter à 2. Et en fait, grâce à la version PlayStation 3, ils ont réussi à mettre un mode en ligne pour pouvoir jouer, faire le jeu à 2, ou bien faire un match à mort, hein, comme qu'on connaît depuis tant d'années. Alors on peut jouer jusqu'à 4. Fumier, tiens, crève. Oh, un bouton. Alors on peut jouer jusqu'à 4. Mais quand j'ai essayé, je vous avoue que je n'ai pas trouvé. Ah, tire dans le dos. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé énormément de joueurs. Il a fallu attendre un petit moment pour trouver un joueur pour faire la partie solo en coop. Et j'ai trouvé qu'un seul joueur aussi pour faire une partie de match à mort. Alors vu vous voyez la taille du terrain quand même, hein. Alors quand vous tombez là-dessus et que vous devez faire un combat 1 contre 1, bah, à part tourner en rond, vous galérez vraiment pour trouver un joueur pour faire une partie avec vous. Alors quand c'est en coop, c'est pas trop grave, hein, vu que... C'est pas trop grave, vu que quand vous voyez ça, tout seul, c'est déjà, y a pas de souci avec le nombre d'ennemis pour l'instant. Mais... quand on commence à être à 4, ça risque d'être. En coop, ça peut être un peu. Serré. Parce que. Ils ont mis. C'est pas bête, hein, c'est de mettre ça, hein, moi j'aime bien. La possibilité de tuer nos alliés. Voilà, j'ai bien vu qu'il y avait un casque. De tuer nos alliés. Avec nos armes, ce qui est plus logique que. Maintenant où on tire pas sur les ennemis. Oh, il y a un bouton là. Ok, ça sert à rien. Ah si, je donne du soin. Donc, ouais, on peut se tuer son allié. Alors, par exemple, vous savez, quand on a des fois des réflexes, d'un coup, il y a l'allié qui passe devant nous, on fait pas attention. Ce qui peut arriver, bah, c'est plutôt bien, on tire sans faire exprès ce qui arrive, et ça le tue. Ce qui rend le jeu quand même un peu plus réaliste, contrairement au jeu de maintenant. Allez, je crois qu'il y en a encore un. Mais comment on y va? Ouais, en fait, y a rien à part tuer du bonhomme, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, je découvre le jeu aussi, hein, donc ouais, à part me faire tuer, j'essaie de partir. Alors, il me faut maintenant une porte bleue. Est-ce qu'il y a-t-il une porte bleue que je n'ai pas vue? Alors là, je viens de là. Ah non, je n'ai pas vu. Voilà, j'aime bien prendre un petit peu de soin. Porte bleue, là. Voilà. Boum. Tiens. Rien ne vaut. Ça fait quand même du bien de faire un bon vieux jeu comme ça. Moi, je m'éclate. Ça fait un moment que je voulais le faire, hein, ce jeu-là, quand même, parce que je l'ai là depuis un petit moment déjà. Et je voulais absolument le faire et le partager avec vous. Parce que
que je voulais vous faire partager comme des vieux classiques, classiques, pardon, qui ont... Ah, fumier! Bon, je vais bien voir ce que ça donne alors quand on meurt. Donc, on recommence au point de départ. Alors, est-ce qu'on recommence depuis le début? Ou bien... Ah ouais, donc on recommence avec... faut tous les rebuter. Ok, autant. Parce que le mode, quand on joue en ligne... et qu'on meurt en fait et qu'on renaît, tous les monstres sont déjà morts. Ceux qu'on a déjà butés sont déjà morts. Donc ça rend le jeu encore plus facile en coop. Alors si vous voulez vraiment avoir un petit challenge quand même, faut y jouer tout seul. Comme vous voyez là, je suis en train de morfler là, quelque chose de sévère. Je suis quasiment mort. Oh, une armure. Il avance. Mais il faut vraiment mettre les fois le viseur, bah le viseur, le fusil bien devant la tête du personnage, de l'ennemi, pour pouvoir le tuer. Zou. Boum. Boum. Vous pouvez lâcher quelques items pour me soigner parce que je commence à galérer. Ah, et c'est moi ou il vient de se tuer tout seul, il vient de tuer son pote. Pourquoi pas. Alors. Ouais, vrai massacre. Alors, d'après ce que je vois, il y a déjà une intelligence artificielle un peu logique. C'est-à-dire que des humains, ce que ça a l'air d'être des humains, dégomment les extraterrestres. Et contrairement à certains jeux où les extraterrestres, où les humains et les extraterrestres ne butent que nous. Comme dans Lost Planet. Alors, pour l'histoire de ce jeu, on est un soldat qui est... Ah merde! Voilà. On est un soldat qui est envoyé sur une des lunes de Mars, qui est envahi par des... par des monstres, comme vous venez de le voir. Hein. Et on est tout seul parce que tous nos alliés sont morts. Bon, c'est un peu classique, c'est un peu normal, hein, c'est un classique. Mais c'est pas parce que le scénario tient sur un ticket de bus que le jeu n'est pas bien. Ah, je suis déjà ma vie au maximum, ça tient bien. Ah, tiens, tiens. Un petit peu de... Je vais revenir en arrière tout à l'heure si j'ai besoin de vie. Ça, c'est aussi un petit peu des trucs stratégiques, devoir laisser un petit peu de vie en arrière au cas où on crève. Et vu que là, je vais... quand même récupérer, vu que tout à l'heure j'ai bien morflé, et il y en a là, j'ai bien morflé quand il y avait quand je suis arrivé dans la salle. Allez, alors le fusil à pompe il fait bien mal comme vous pouvez le voir, mais il doit recharger tout le temps, ce qui est normal parce que c'est le but d'un fusil à pompe. Ça fait quand même ralentir pas mal le nombre de tirs. Alors, c'est pratique, ça fait mal, mais ça fait... Voilà, vous voyez, je tire qu'une balle à chaque fois. Alors, il faut toujours bouger pour pouvoir esquiver. Alors, j'ai hâte de voir les prochaines armes du jeu. Alors, oui, là, soigne-toi, truc comme ça, machin. Ah, c'est bon, et hop. Ils sont aux ennemis. Il y en a pas. Hop, niveau est terminé. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le jeu que j'ai acheté, ben, il y a absolument tous les Doom, hein, le 1, le 2 et le 3. Et si vous aimez bien ces vidéos que je suis de Doom, j'enchaînerai avec le deuxième, une fois que celui-là sera terminé, bien sûr. Et après, si vous aimez encore, je continuerai avec le troisième. Allez. Alors, le deuxième est sorti quelques temps après, mais c'est globalement la même chose niveau graphisme, tout ça, gameplay, tout ça. Et le 3, par contre, il est sorti plus tard. Je n'ai pas la date en tête, par contre. Et il y a aussi un quatrième qui est en cours de préparation, mais ça fait 3 ans qu'on l'attend. Oh. Anti-radiation. Ah ouais, une arme. Yeah. Oh! Alors, comme je disais, il y a un 4 qui est en préparation, mais ça fait 3 ans qu'on a
plus ou moins plus de nouvelles. Donc il y en a qui disent qu'il y a des rumeurs disant que le jeu est en stand-by, d'autres disent qui continue à être en développement. Mais tant qu'on aura. Tant qu'il ne sera pas là, on ne pourra pas vraiment savoir ce que ça donnera. Youhou, on va passer par là, tiens. Ennemi ! Je préfère cette arme-là que le fusil à pompe, il est quand même plus rapide. Et par contre, niveau munitions. Bon, ça va, j'en ai pas mal de munitions encore, j'ai rien dit. Mais je crois que. Bah, vu la vitesse de la cadence de tir, il risque de. Je risque de vider mon chargeur assez rapidement. Ah, j'ai bientôt fini mon truc. Je viens de là vu que j'ai tout tué. Oh là 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 là. Donc, vous voyez, des fois c'est quand même un sacré labyrinthe. Hein. Alors vous imaginez un mode en ligne match à mort comme ça avec en ligne. Bah, si vous n'avez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Si vous n'avez pas de... Bah, on se perd très facilement en fait, hein, je veux dire, si vous n'avez pas de l'instinct, mais si ça sert à rien, vu que c'est un... On va pas retourner en rond, on peut rien faire de plus. Ouais, là il faut la clé jaune, ok. Olé, ouais. Faut que ce soit un truc pour lever le machin. Et le truc, je ne l'ai pas. Ok, donc il faut que je retourne en arrière pour trouver une clé. Est-ce que j'ai que la clé bleue? Et... Ah oui, il faut souvent revenir en arrière pour récupérer des clés. Alors, il faut savoir aussi que je suis pas vraiment doué de ce genre de truc où il faut aller à la recherche de clés. Je tourne très souvent en rond. Alors, des fois aussi, je mets vraiment beaucoup de temps à tourner en rond dans le même niveau. Je ferai peut-être une ellipse pour jusqu'à temps que je sois débloqué pour éviter de de tourner en rond alors qu'il n'y ait pas d'ennemis et tout. Parce que des fois, les décors se ressemblent. Hein. Là, on va passer par là. Tiens. Ah non, c'est pas grave, je me suis dit qu'il y avait un rebord comme ça, on peut pas y aller, mais si, donc c'est pas trop grave. C'est quoi ce taureau? Oh putain, je m'attendais pas à un truc aussi gros là. Bon, je dis gros, mais je suis certain qu'il y aura des trucs encore bien plus gros au fur et à mesure du jeu. Bon, bah, je trouve que je me débrouille pas si mal pour un début. On dirait que c'est le début du jeu. Crève. Allez. Merde, j'ai plus de munitions. Wolololé. Merde. Deux. Vous voyez que le fait de. Quand on rate sa cible avec le fusil à pompe, c'est un peu chiant de devoir toujours recharger. Putain. Je vais crever. Oulalalalala, je vais crever. Cassos. Merde, je suis coincé. Ah, cul-de-sac. Doucement. Doucement, j'aime pas les bruits des monstres comme ça. Munition! Allez bien. Ah mais crève. Merci, toi aussi. Merde. Bon putain, je l'ai raté. Alors par contre, d'où est-ce que je viens? Avant de prendre la porte, j'ai peut-être continué le chemin, parce qu'il y a peut-être une clé au bout de quelque chose, parce que s'il y a autant de monstres et autant de labyrinthes, il y a sûrement un truc au bout. Là, il y a de laver la vie que j'ai récupéré tout à l'heure. Oh, du soin. Ah, la clé jaune. Voilà, vous voyez qu'il y avait des trucs. Il y avait une clé jaune. Alors, peut-être on va remonter. Je suis pas passé par là. Et il y a un interrupteur ici. Et une porte jaune. Et voilà. Alors, ah, bah, je viens de repasser par là. Ouais, je suis de retour à l'endroit, en fait, où j'étais tout à l'heure. Exit. Sortie. Oui. Niveau terminé. Secret 0, ok, en fait je trouve jamais aucun secret. Alors je crois que je vais terminer cet épisode, ce premier épisode ici. Et je vous dis donc à un prochain épisode pour la suite de Doom. Salut !